J'ai combattu pas mal à Marseille, K1 Marseille, où j'ai combattu au Dôme pour la championne de France de K1, où j'ai perdu contre Karim Gadji. Donc j'ai plus de 30 combats de pieds-poings, et après je suis parti faire ma vie à l'étranger pour le MMA. Donc j'ai plus de 21 combats de MMA maintenant. J'ai gagné la ceinture du RFA, la ceinture du Bama USA, et j'ai commencé l'UFC, ça s'est pas bien passé, j'ai fait le Ultimate Fighter aussi, j'ai fait 2 saisons. Et maintenant je suis au Brave, donc je combats pas mal, et je compte revenir sûrement à l'UFC ou à un plus gros événement. Et je me prends un peu une nouvelle expérience là, à un nouveau poids. Donc voilà, je vais vous montrer quelques techniques simples à faire pour le combat. Je vais pas vous montrer des trucs de fatigué comme des fois dans les stages je vous montre. Vraiment, moi c'est que pour le combat, je vais vous montrer des choses vraiment simples, efficaces, pas trop de chichi. Donc voilà, donc j'espère que mes techniques vont vous apporter pour vos combats, pour vos compétitions. Et voilà, hein. À la guerre maintenant. Allez, un petit peu. Déjà interdit de croiser les pieds, de moins croiser les pieds. La pierre croise les pieds. Je vais à gauche, je vais à droite, je vais tout droit, je travaille, je vais faire un petit clap. Pas. Je me tape, je recule, je retouche.
Eh ouais les gars, Medji à la maison. Medji Bagdad à la maison. Et merci, hein.